Alors dites-moi, ça a démarré il y a combien de temps à peu près ? On a été appelé vers 15h. Oui. Donc avec déjà une situation assez avérée au départ. Hein. Oui. Justifiant d'envoyer deux fourgons, une ambulance et une échelle. Et vous avez combien de sapeurs-pompiers qui sont là actuellement ? On a plus de 100. On est à 101 sapeurs-pompiers qui ont participé à cette opération, aussi bien dans les primo intervenants que dans les relèves. Ah d'accord, oui, c'est pas mal quand même, une belle opération. C'est une très grosse opération, oui. Et en plus, plus 100 sapeurs-pompiers, c'est énorme quand même. Alors voilà, mais il faut comprendre que, et c'est pas très visible depuis la rue, c'est 450 m² de bâtiments, hein, en termes d'emprise au sol, qui ont été touchés par le feu. C'est ce qu'on appelle un feu d'îlot, c'est pas juste un feu de... Oui. Ça a démarré il y a combien de temps à peu près ? On a été appelé vers 15h. Oui. Donc avec déjà une situation assez avérée au départ, hein, justifiant d'envoyer deux fourgons, une ambulance et une échelle. Et vous avez combien de sapeurs-pompiers qui sont là actuellement ? On a plus de 100. On est à 101 sapeurs-pompiers qui ont participé à cette opération, aussi bien dans les primo intervenants que dans les relèves. Ah d'accord, oui, c'est pas mal quand même, une belle opération. C'est une très grosse opération, oui. Et en plus, plus 100 sapeurs-pompiers, c'est énorme quand même. Alors voilà, mais il faut comprendre que, et c'est pas très visible depuis la rue, c'est 450 m² de bâtiments, hein, en termes d'emprise au sol, qui ont été touchés par le feu. C'est ce qu'on appelle un feu d'îlot, c'est pas juste un feu de bâtiment, c'est un feu qui s'est propagé sur un ensemble de constructions contiguës, et notamment par les toitures ou par des planchers, et ainsi a développé le sinistre, non seulement en façade, sur rue, mais aussi sur l'arrière du bâtiment. Alors on est à peine maître du feu au moment où je vous parle, hein, puisque justement, vu l'instabilité des bâtiments, vous avez vu qu'il y a eu des effondrements sur rue, on n'a pas pu rentrer de manière sécurisée dans les volumes touché par le feu, et donc cette attaque par l'extérieur ne permet pas d'être aussi efficace que si on pouvait rentrer vraiment au contact du feu. Quoi. Donc maintenant, je pense qu'il y en a pour au moins encore une heure et demie Ah non, on en a pour jusqu'à demain. Ah, jusqu'à demain. Oui, il y aura un travail de contrôle par caméra thermique, d'extinction, de sécurisation. On a une équipe de sauvetage d'éblement qui va essayer de consolider les éléments de structure qui pourrait menacer les ruines et permettre demain à la mairie, aux propriétaires du bâtiment de prendre le relais avec des entreprises privées pour venir sécuriser parce qu'il y a toujours une menace sur le domaine public. Hein. Oui, tout à fait. Et vous avez utilisé des drones également ? Alors oui, on a utilisé deux drones hein, qui nous permettent d'avoir une vision par la troisième dimension hein, en surplomb et qui nous ont justement facilité le schéma tactique d'accès au feu en privilégiant des cheminements à travers un certain nombre de courettes et ainsi voilà, avoir un dispositif complet pour circonscrire le feu. Mon colonel, je vous remercie beaucoup. Merci encore une fois. Merci à vous.